بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه والتابعين وبعد السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. Dans son livre « Pourquoi ai-je choisi l'islam ?», M. Emery nous relate les faits de sa conversion à l'islam et nous dit ce qui suit. « Je suis né dans une famille de parents chrétiens, de fervents catholiques pratiquants. Dès mon plus jeune âge, mon père m'emmenait parfois avec lui quand il allait prêcher. Il me paraissait évident qu'il me préparait à prendre le relais après lui dans sa profession. Arrivé en terminale, j'étais capable de prêcher les évangiles selon ma propre façon. À l'université, je rencontrais souvent mes camarades protestants et je discutais des différences entre nos croyances et la manière d'accomplir nos rituels. Après avoir complété ma première année à l'université, mes connaissances étaient suffisamment poussées dans la foi chrétienne telle qu'elle est définie par l'Église catholique. J'ai alors reçu une bourse provenant de l'Église. En l'accès je m'engageais à recevoir une formation spéciale destinée à me faire comprendre certaines parties du livre sacré sous la tutelle du principal prêtre de l'Église à qui il tenait particulièrement à cœur de me dispenser ses enseignements et qui était très attaché à moi. Ayant pris place dans le premier groupe pour mon cours de niveau intermédiaire, j'avais pris l'habitude de me pencher sur ces sujets jusqu'à tard le soir. Une nuit, alors que tous étaient déjà endormis et que j'étais absorbé dans mes études, l'idée me vint soudainement à l'esprit d'examiner la doctrine de la Sainte Trinité, c'est-à-dire cette notion dogmatique qui consiste à parler du Père, du Fils et du Saint-Esprit. Et nous avons déjà vu ça dans des émissions antérieures. Donc, examiner la doctrine de la Sainte Trinité, la formule de base de la foi chrétienne, la question de savoir comment Dieu existe dans trois personnes alors qu'il n'a qu'une seule nature divine, une seule volonté et ne forme qu'un seul esprit. Donc, l'auteur, à partir de ce questionnement, de ces interrogations sur cette fameuse Sainte Trinité, qui est l'un des mystères du dogme chrétien, va commencer donc à s'interroger, à se poser des questions, et les choses iront ainsi jusqu'à ce qu'il tombe sur une traduction du Coran de George Sale, où il lit cette introduction du grand orientaliste britannique Denison Ross, qui dit « Pendant plusieurs siècles, la connaissance qu'avait la majorité des Européens à propos du mahométisme, c'est-à-dire de l'islam, était presque exclusivement basée sur des rapports déformés de fanatiques chrétiens qui ont mené à la discrimination et une multitude d'énormes calomnies. Tout ce qui était bon dans le mahométisme était entièrement ignoré et ce qui déplaisait aux yeux de l'Europe était exagéré ou mal interprété. L'unicité de Dieu et la simplicité de la croyance en lui ont sans doute été un facteur de l'expansion de l'islam plus puissant que l'épée d'un valeureux chevalier. » Et donc c'est en faisant des études comparées que M. Emery, l'auteur de ce livre, s'est converti à l'islam. Alors que beaucoup d'Européens, d'Occidentaux, de non-musulmans se convertissent à l'islam, si bien que cette religion soit devenue la première religion dans le monde, certains de nos frères ont renié cette religion et se sont convertis justement et beaucoup plus au christianisme. Une religion qui, disons-le de manière très franche, ne répond pas du tout aux questions les plus élémentaires de la foi. Pour parler de tout cela aujourd'hui et des causes, des raisons qui peuvent pousser certains de nos anciens frères et de nos frères dans l'humanité de renier leur religion, pour parler donc de ce sujet épineux, nous avons le plaisir d'accueillir ce soir M. Mesoud Boujnoun, dont vous êtes habitué,
Et notre frère, Monsieur Bouzid Irid, qui est l'auteur du livre J'étais chrétien, et qui va nous faire part de son d'un témoignage, vous le verrez, assez émouvant. Il va nous faire la narration de sa conversion au christianisme, puis de son retour à l'islam. Monsieur Bouzid, merci d'avoir répondu à notre invitation et sachez que nous sommes très très heureux de vous avoir parmi nous ce soir. Alors, comme vous venez de l'entendre, beaucoup de gens se convertissent justement à l'islam parce qu'il s'agit d'un dogme très simple et dans la majorité des cas très rationnel, qui répond à toutes les questions existentielles de l'être humain, qui répond à toutes les questions que peut se poser un croyant sur sa religion. Et donc, ma première question, qu'est-ce qui a pu faire qu'un jeune homme comme vous, qui était très porté sur la lecture, qui était aussi, qui croyait en Dieu, et comment les choses ont pu se faire, enfin, qu'est-ce qui s'est produit pour que vous deveniez chrétien? C'était en 1995, oui, c'est comme ça. Vous le dites dans votre livre, J'étais chrétien, qui est un livre. Enfin, il est disponible ici en Algérie, il est même disponible sur Internet. Arabe, français, d'accord. Alors, qu'est-ce qui s'est passé? Bon, je vous remercie d'abord pour cette invitation qui me va droit au cœur pour discuter de ce sujet. Et puis, pour être bref et dire directement les raisons directes de ma conversion au christianisme, c'est dû à deux choses essentielles. L'ignorance de l'islam. Oui, et puis du christianisme aussi. D'accord, bien voilà. Sûr, oui. L'ignorance et le vide spirituel que je vivais. Alors, comme vous le savez, dans l'islam, il y a des gens qui se posent des questions pour chercher des réponses. Oui. Ça, c'est en islam. C'est la religion de Dieu. La nature humaine, c'est que l'homme se pose des questions. Le pourquoi. Nous sommes dotés d'une raison. C'est que l'homme se pose la question, pourquoi suis-je ici, pourquoi suis-je créé, tout cela. Par contre, à mon sens, sans vouloir blesser quiconque, pour être un bon chrétien, il ne faut pas poser de questions, tout simplement. Voilà la différence. En islam, tu peux poser de différences. D'ailleurs, la base même du dogme en islam, c'est « fa'alam ».« Fa'alam », sache. « Sache qu'il n'y a d'autre Dieu que moi ». Alors que dans le christianisme, crois seulement. Oui. Crois seulement et tu verras la gloire de Dieu. C'est là, on nous demande de croire tout d'abord. Et dans l'islam. D'ailleurs, oui. Là, pardon de vous interrompre, oui, M. Emery a posé la question de la Trinité à son père. Lui était prêtre et a dit, il a manifesté justement son désir de percer ce mystère de la Trinité qui est. Que nul ne peut comprendre et que nul ne peut expliquer. Et voilà ce que lui a dit son père. Dans les affaires de croyance, il faut mettre son raisonnement de côté. La doctrine ne peut être cernée par la raison humaine. Il faut juste croire en la doctrine avec son cœur. Et puis il dit avec son esprit. Oui, c'est ça. Justement, l'encyclopédie... national catholique nous enseigne quelque chose. Il y a une question qui est posée dans cette encyclopédie. La question est la suivante. Comment enseigner la Trinité? Réponse, ne point l'enseigner. Voilà, c'est l'encyclopédie. Qu'est-ce que le Père, le Fils et le Saint-Esprit? Il ne faut pas essayer de comprendre. C'est ça, pourquoi c'est le mystère. C'est le mystère. Au nom du mystère, voilà, vous êtes appelé uniquement à croire. Pour moi, pour y aller droit au but, pour dire tout simplement, comme a dit Shakespeare, la malédiction des êtres humains, la folie et l'ignorance. Un fou, il n'a pas sa raison. Oui. Et l'ignorant aussi, il fait abstraction de cette voilà, raison. Voilà, donc il n'y a pas une grande différence entre les deux. Donc l'ignorance est une vraie malédiction sur l'homme. D'accord. Donc, à partir de cela, à l'époque, je me souviens, j'aimais beaucoup plus lire, j'aimais beaucoup la lecture, la littérature classique française surtout. C'est de là, à partir de là, que j'ai découvert en quelque sorte les paroles de Jésus. Alors oui, que même avant, bien sûr, je croyais en Dieu, je suis né dans une société musulmane, on pratiquait l'islam, on pratique le mois de Ramadan et tout. Mais les vérités coraniques ne m'ont pas réellement touché.
À l'époque, Parce que vous je ne les n'avais pas aussi connaissiez touché. pas. Oui, je n'avais pas vraie connaissance de Dieu. C'est pourquoi à l'époque, je disais, j'étais un petit peu, j'avais un penchant, un grand penchant pour la pensée occidentale. La Donc, littérature la classique en littérature, voilà. l'occurrence. Je lisais les classiques littéraires et tout, j'aimais ça. Alors, je découvrais les paroles de Jésus. Aimez-vous les uns les autres, aime ton prochain comme toi-même. C'était nouveau pour moi. Et pourtant, ça Et c'est existait. très beau aussi, hein. Oui, c'est Et beau, nous bien sûr, pensons, même bien si, sûr. pas personnellement, même si je trouve ça dans une Bible, je suis enclin à penser que c'est Jésus qui l'a dit, parce que ça Bien va sûr. vraiment, c'est une valeur universelle, très humaine, très humaniste aussi. Mais avant tout, c'est le cœur du message de tous les prophètes. Absolument. L'amour de Dieu et l'amour du prochain, c'est Oui. clair dans l'islam, darajat al-ihsan, c'est d'adorer Dieu comme si on le On le voit. voit. Si nous ne le voyons Voilà. pas, lui nous voit. Voilà, c'est ça. Donc, alors, ça m'a donné, ça m'a poussé en quelque sorte, ça m'a donné l'envie de lire la Bible, sincèrement. Parce que quand j'entends parler d'un titre comme ça, tous les bons lecteurs, les amoureux de la lecture, en quelque sorte, le savent. S'ils ont parlé d'un titre comme ça intéressant, On essaye toujours de voilà, on fait l'avoir, tout oui. pour l'avoir. Alors, il y avait chez nous une famille chrétienne, donc qu'on respecte beaucoup, qu'on se respecte, on se respecte jusqu'à maintenant, il n'y a pas de problème. On vit dans la tolérance et dans la paix, il n'y a pas de problème. Alors, je voulais me procurer une Bible, juste la lire, non pas me convertir. Mais après, quand je lui ai demandé la Bible, l'Évangile, ah là, il a trouvé une bonne occasion de prêcher. Il m'a invité à faire une petite balade. Alors Ça. justement, parce que moi je connais l'histoire dans les détails, on a eu Oui. l'occasion de la voir hors antenne. Oui. Donc il y a l'ignorance de l'islam, bon, c'est une double ignorance, il y a aussi une méconnaissance Oui, oui. des vrais fondements du christianisme. Oui. Vous parlez de vide spirituel. Surtout, oui. Mais je crois qu'ajouté à cela, il y avait aussi le poids de toutes ces années de terrorisme où l'islam véhiculait tout ce qui était négatif Voilà, pratiquement. malheureusement. Donc alors, Monsieur Boudjmoun, il y a, avant même d'aborder la manière dont s'est faite l'approche, avant cette même lecture de la Bible, pour beaucoup, l'évangélisation, c'est un fléau. Il y a derrière des gens qui sont en train d'essayer d'avoir le maximum de musulmans, etc. Mais avant même d'incriminer les évangélistes ou les chrétiens, ne devrait-on pas incriminer tous ces musulmans qui véhiculent une image, pardon, très très négative et même on ne peut plus négative de l'islam avec leur comportement? J'aime bien employer un terme parce que quand je vois dans la rue certains musulmans, le terme en arabe, ejlaf, c'est-à-dire qu'ils sont durs, ce n'est pas du tout l'image que nous avons du prophète, que nous avons de Omar ibn Khattab, d'Abu Bakr et de tous les compagnons. بعد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم والصلاة والسلام على أشرف المرسلين تو دابور جو فودري جوست فير اون بيتيت ريتروسبكتيف كونسيرنون ليستوار دو كريستيانيزم اي دو الاسلام لي ريلاسيون انتر فو سافي لو بروبر دون ريليجيون اي دو فير دو بروزيليتيزم C'est clair. سي سا ريزون داتر Moi, je l'admets pour les ابسولومون chrétiens. D'ailleurs, L'islam le fait, le l'islam, christianisme le c'est fait. tout à fait Voilà. normal. C'est des religions Oui. qui ont une vocation universelle. Donc, il va de soi qu'elles font du prosélytisme. Qu'il fasse de Exactement. l'appel à Dieu, tout Donc, simplement. voilà. Donc, historiquement, il y a eu des conversions, bien sûr, massives du christianisme vers l'islam. Et ça continue jusqu'à maintenant. Par contre, de l'islam vers le christianisme, il n'y a pas eu de grande conversion, il faut le dire. D'ailleurs, un auteur français qui est Henri de Castries, qui est très Très connu, connu. c'est un islamologue, il a écrit à juste titre, l'islam est la seule religion qui ne connaît pas d'apostat. Pratiquement, donc, Oui, dans l'ensemble, voilà, oui. dans l'ensemble, exactement. Donc, le premier musulman qui s'est converti au christianisme, c'est l'époux.
دم حبيبة دوم حبيبة quand ils étaient en en Abyssinie, Abyssinie, exactement. رضي الله عنها, qui est oui. devenue l'épouse du Du prophète prophète صلى الله عليه صلى الله وسلم. عليه Donc il s'appelle. D'ailleurs, le prophète صلى الله عليه وسلم, entre autres, pour au passage, ne l'a épousée que parce qu'elle a été esseulée et Absolument. pratiquement trahie. Elle a gardé sa foi, alors que par contre, son époux, Obaydallah ibn Udyash, s'est converti au christianisme. C'était au début de l'islam. La révélation venait de commencer. Oui. Voilà, exactement. Donc, je sais pas, pour une Et raison ou là, une autre. pardon, là aussi, on remarque aussi, c'est le même phénomène, subhanallah. Alors que rien dans l'histoire de l'islam, les narrateurs ne rapportent pas le retour de Ubaydullah vers l'islam, mais tout le monde parle de la conversion de Najashi à Oui, l'islam, du Négus. absolument, Et absolument. c'est ce que nous remarquons actuellement. Moi, ce que je remarque, j'ai régulièrement affaire à des docteurs, à des penseurs qui se convertissent à l'islam, des prêtres, des rabbins, et pas n'importe lesquels, hein. C'est des gens qui jouissent d'une certaine Oui, notoriété. déjà. À l'inverse, ceux qui vont vers le christianisme ne sont pas ceux qui font autorité dans notre milieu, intellectuellement parlant, Exactement. malheureusement pour eux. D'ailleurs, les historiens disent que, en parlant de Ubaydallah ibn Jash, et par la suite, il consommait du vin, exactement. Donc, il est mort apparemment en tant que chrétien. Bon. Et puis, quelques années après, nous avons le fameux verset qui parle des compagnons qui ont fait défection durant l'expédition de Tobouk, de Tabouk, Tabouk, oui. voilà, Tobouk. Donc, parmi eux, Al-Mukhallafin. Al-Mukhallafin, parmi eux, il y avait un illustre compagnon qui s'appelle Ka'b ibn Malik. Oui. Voilà. Donc, Ka'b ibn Malik, il raconte son histoire dans un Ça hadith. a duré 50 jours. Ils ont été Absolument. mis en quarantaine. Tout à fait. Ensuite, le prophète sallam a ordonné à leurs épouses de les Et quitter. justement, là où je veux en venir, c'est qu'au moment où Ka'b et ses compagnons Esselé. faisaient l'objet d'une mise en quarantaine, si j'ose dire, par les compagnons, pour avoir refusé Enfin, oui. d'obéir. Voilà. Mais justement, c'était une leçon. C'était C'était une une leçon leçon pour pour tous les leur. musulmans. Voilà, Parce que exactement. Ka'b a reconnu qu'il avait fait preuve de laxisme, alors que les Les hypocrites, hypocrites, exactement, chacun est exactement. venu Voilà. prétexter Bon, quoi que ce soit, n'importe quoi. c'est pas là ce qui m'intéresse, c'est qu'au moment où Ka'b était l'objet d'une mise en quarantaine, un chrétien nabatéen est venu à Médine. Est venu à Médine et c'est raconté dans tous les livres de hadith. Donc, en entendant ce qui venait de se passer, il est allé voir Ka'b ibn Malik. Il lui a dit Lui a ramené, je crois qu'il lui a ramené un une message, lettre, un voilà, message un du roi message du roi, exactement, le Bison, je crois, Bison. Il lui a dit, eh ben, c'est ton compagnon, c'est-à-dire le prophète, t'a abandonné. Nous sommes prêts à d'accueillir. t'accueillir, à te recevoir. Et Ka'b ibn Malik, radiallahu anhu, il a refusé. Il a dit, j'ai brûlé le message. Et il est resté ferme dans sa foi. Non, Donc, dans certaines, dans l'une des versions, il était dans le marché de Médine, le Nabatéen, oui, exactement. il mendiait salam pratiquement. Il disait aux gens, pourquoi ne m'adressez-vous pas la Exactement. parole? C'est à ce moment-là que le Nabatéen a parlé à haute voix, juste pour éprouver tout le monde. Absolument. Et là, il s'est dit, ça c'est le summum de l'épreuve. Ça c'est le pire qui pouvait m'arriver, renier l'islam Donc, pour. justement, c'est pour dire que les chrétiens ont toujours voulu convertir les musulmans, et ça va de soi. Oui. Ça va de soi. Non, attendez, à la limite, je l'admets. Et avant même de revenir à l'histoire de notre ami Bouzid, alias Mohamed Azouaou, parce que certains ont dit que c'était un faux, ce livre. C'est pas un chrétien, un ancien chrétien qui l'a écrit. Donc, là aussi, il y a quelque chose qui me revient à l'esprit. Moi, il m'arrive de prêcher l'islam dans tous les milieux. Mais partout où je vais, je parle à des gens qui n'ont ni soif, ni faim,
qui ne souffrent pas d'une crise profonde comme celle que nous voyons dans nos pays musulmans. Alors que ce que je reproche au prosélytisme chrétien, toute église confondue, c'est que ce sont des gens qui aiment pécher en eau trouble, dans la mesure où, dans l'histoire, il a été démontré à plus d'une reprise qu'à chaque fois que la Bible a été présentée d'une main, on a présenté dans l'autre main un bout de pain à des gens affamés. Oui, Ça, exactement. c'est pas de Mais bonne guerre, je suis désolé. ce n'est pas la seule raison. D'ailleurs, si Bouzid vient de le dire, moi, vous savez, je ne suis pas entièrement d'accord avec ceux qui disent que les chrétiens profitent de la détresse matérielle des musulmans. Parce qu'on peut, à la rigueur, accepter le christianisme et puis une fois ma situation améliorée, je peux éventuellement Le revenir quitter. à mon ancienne religion. Il y a un vide spirituel. Il y a eu un vide spirituel en Algérie durant la décennie passée, Que nous avons baptisé décennie noire. décennie noire absolument, Et décennie ça, moi, je rouge, reproche. décennie rouge, puisqu'il Il y a beaucoup de y avait sang. absolument il y avait beaucoup de sang. Et l'image que les Occidentaux avaient de l'islam, c'était une religion de De tuerie, de barbarie. massacre, de violence, Violence. etc. Et entre autres, justement, il y a certains jeunes, comme Monsieur Bouzid, qui peut-être à l'époque, il avait, je sais pas, peut-être 20 20 et ans, oui. 20 ans, voilà, 20 20 ans, ans. justement, 20 ans, c'est l'âge où on se pose des questions. Oui, c'est ça. Moi-même, ça m'est arrivé à l'âge de 20 ans, 21 ans, je me suis posé des questions, j'ai fait une remise en cause de beaucoup de certitude que mais Dieu merci finalement je suis toujours croyant, je Oui, suis c'est toujours ça. musulman parce qu'à notre époque il y avait pas ce Il n'y vide avait pas ce spirituel, il vide, y avait oui. pas ce vide spirituel. Et même moi dans les moi déjà mosquées, à mon dans les mosquées, il y avait beaucoup de qualités. absolument moi déjà à mon époque, lorsque je me suis posé des questions, c'était des questions d'ordre existentiel et spirituel. Je suis allé voir un maître soufi. Je lui dis un maître soufi qui est mort, rahimahullah. Et à travers, justement, j'ai retrouvé ma foi, j'ai retrouvé ma certitude, ma sérénité. Justement, c'était à l'époque. Mais c'est normal, lorsqu'on atteint un certain âge, on est obligé de se poser des questions. À travers des lectures, moi aussi, je lisais des dizaines de livres. Oui, c'est ça. Et je peux vous dire que je me suis enfoncé dans des philosophies. De Je tout lisais bord, sur oui. l'hindouisme, le bouddhisme, sur le christianisme, le mazdéisme, etc., etc. Oui, Donc juste pour forcément, voir. on commence à se poser des questions. Mais Dieu merci, je n'ai pas eu le même cheminement que D'accord. Bouzid, si vous permettez. Allez-y. Et pour revenir un peu à votre question, oui, effectivement, avec tous ces problèmes Il y a une part de et une responsabilité part qui incombe aux absolument, musulmans eux-mêmes, aux musulmans qui font tout pour je sais pas, pour fermer les portes de la miséricorde de Dieu, malheureusement. rahmatullah. Il y a certaines personnes qui font tout pour les fermer et en faisant de l'islam uniquement une loi. Oui. De Yadjouj il y a juste, alors que l'islam est une loi, est une voie aussi. C'est une Oui. voie vers Dieu. L'islam, ce n'est pas uniquement une loi. D'accord, c'est une loi, puisqu'il y a une législation prophétique qui organise les relations entre les gens. Mais l'islam, avant tout, c'est une voie. C'est une voie spirituelle qui mène à Dieu. Et en parlant de ces personnes-là, justement, ils ont tout fait Assécher pour justement assécher justement cette oasis de spiritualité spiritualité. vivante qui, Dieu merci, maintenant, à travers tous les pays du monde, on voit des dizaines de personnes qui viennent à l'islam, justement, Chaque jour. en découvrant sa Ah, spiritualité. c'est ça. Voilà, moi-même, je l'ai dit une fois dans une émission, j'ai fait un petit livre qui va sortir, Inch'Allah, dans un mois ou un mois et demi sur Inch'Allah. les conversions à l'islam. Eh bien, presque 120 grandes personnalités, ce n'est pas
C'est des illustres, C'est oui. des îles, c'est des penseurs, c'est des philosophes, c'est des grands politiciens, etc., etc., qui sont venus à l'islam en découvrant sa Sa grande spiritualité. spiritualité au moment où le monde vit un vide spirituel et une crise Confessionnelle absolument incroyable, aiguë. Voilà. aiguë. Alors, pour revenir à vous, vous décidez de lire une Bible, la quête de cette Bible commence, il se trouve que dans votre voisinage, il y a des chrétiens avec lesquels vous avez de très bons rapports, et c'est le père, justement, de la famille en question, toute la famille est chrétienne, qui va vous donner cette Bible. Sauf qu'avant de vous donner la Bible, il y a une introduction, il introduit justement la manière dont vous allez devoir lire cette Bible. Oui, Qu'est-ce c'est qui se ça. passe au juste? C'est ça, justement, quand par exemple un musulman fait le prêche, ou bien veut inviter quelqu'un à la vérité, à l'islam, il lui donne tout simplement le Coran. Voilà le Coran, ni introduction, ni conclusion, de la sourate al-Fatiha jusqu'à la sourate Nas. Et voilà, bonne lecture. C'est ça. Mais par contre, quand un chrétien, généralement, vous donne un évangile, tout d'abord, il va vous aider. Il va vous faire une petite introduction. Comment vous allez lire cet évangile? Une préparation. Voilà, une préparation. Même maintenant, les évangiles, quand ils sont comme ça édités, ils sont toujours édités avec une introduction. Par exemple, dans l'évangile de Jean, ici, Jésus se présente comme étant Dieu, comme ayant l'autorité de pardonner les péchés, comme étant Dieu, ayant des attributs divins, en quelque Divin, oui. sorte. Alors que si un lecteur objectif, par exemple, lit l'évangile de Jean, ou de Marc, ou de Matthieu, ou de Luc, il le lit, par exemple, jamais il va rencontrer une parole de Jésus où il dit, alayhi salam, où il dit, par exemple, je suis Dieu. Adorez-moi ou... Adorez-moi, jamais. Oui, il fait des miracles, mais il le fait par quoi? Je ne fais sortir par ces démons que par la volonté de Dieu. Il C'est-à-dire, croit comme d'ailleurs. tous les prophètes, par exemple, il guérit les malades par la volonté. Moi, je ne peux rien faire par moi-même, disait Jésus, en texto, clairement. Et même quand il parle de Dieu en tant que père, il dit le père. Il Le n'en plus parle pas grand. comme son propre père, mais comme père de tous les humains. Voilà, Il ne ouais. dit pas, il en parle comme étant l'enfant de Dieu, Voilà. au même titre que tous les êtres Oui. humains, et non comme étant le fils exclusif de Unique, Dieu, unique. unique, voilà, c'est ça. D'accord, Mais bigotten. voilà, c'est clair dans la culture et la tradition juive, par exemple, pour eux, Nous parce que sommes c'est... les enfants de Dieu. Bon, Voilà, enfant de... eux, pour eux, ils sont les seuls enfants de Voilà. Dieu, et nous, les goïms, nous sommes enfin des Oui, animaux mais à dans apparence leur... humaine. D'ailleurs, si vous permettez, même en islam, nous avons un hadith qui dit « Nasu ayal Allah Ayalullah, ». La famille, c'est la famille de Dieu. Donc, mais ayal. ça ne veut pas dire que... Nous sommes les fils de Ah, Dieu. absolument. L'essentiel, si on droit, c'est-à-dire si on lit la Bible en toute objectivité, au contraire, je vois par exemple, il y a un verset dans le Coran qui dit « Qul ya ahlal kitabi lastum ala shay, atatuqimu at-tawrata wal-injil » Vous Dit n'êtes en oh, rien, aujourd'hui, vous vous n'êtes n'êtes en rien sur rien, conforme oui. avec le livre jusqu'à ce que vous mettiez en pratique La la Torah Torah et et l'Évangile. l'Évangile. Ça, je comprends que Dieu nous parle de la vraie Torah, de l'Évangile, qui sont perdus maintenant, Qui n'existe qui plus. n'existent pas. Les originaux n'existent pas. Mais je peux oser dire, moi maintenant, que lire maintenant, appliquer la Bible, jamais, au grand jamais, on va sortir du plus grand commandement qui est le Tawhid. C'est impossible. L'unicité de Dieu. L'unicité de Parce qu'il Dieu. n'y a rien Voilà, qui dans la incite à Bible. adorer On Jésus. parle de la Bible chrétienne, c'est-à-dire le Nouveau Ouais. Testament. Il n'y a rien Oui, dans les oui. quatre évangiles qui incite un chrétien à croire en une divinité autre que Dieu Que Dieu Tout-Puissant. Tout-Puissant, Ni Jésus lui-même. Jésus, ni un Saint-Esprit. Oui. Alors, même, c'est-à-dire, au début, bien sûr, quand je n'avais pas conscience de tout cela, le prêcheur chrétien me préparait comment lire. Donc, il m'a beaucoup influencé, sincèrement. Parce que En une là, on seule va parler. discussion, Oui, m'a il beaucoup est arrivé touché. à avoir autant d'effets sur vous. Oui, ça s'explique. Pourquoi? Parce que c'est ça, porter atteinte à la personne. C'est ça le danger ou bien la transgression des libertés en quelque sorte. Quand par exemple vous présentez votre marchandise
Moi, je suis le client, il n'y a pas de problème. J'arrive, j'achète ou j'achète pas, c'est pas de problème. Mais quand vous essayez d'utiliser une certaine, soi-disant, méthode bien étudiée pour en quelque sorte faire subir à la personne, lui faire subir un lavage de cerveau et puis un endoctrinement, c'est là, soi-disant, la transgression. On porte On atteinte vous à la a donc personne. porté atteinte, quoi. Aujourd'hui, Vous estimez lésé de ce point, Oui, de ce je côté. suis lésé, sincèrement. C'est-à-dire que maintenant que j'ai analysé mon expérience, je suis arrivé à la conclusion que ce qui se passe maintenant, avec quelques personnes, bien sûr, c'est beaucoup plus un endoctrinement, un lavage de cerveau que par conviction. Il y a une simple question, par exemple, je dis à beaucoup de gens que je rencontre comme ça, qui se prétendent chrétiennes, je dis par exemple, est-ce que vous avez lu le Coran? Sincèrement, répondez-moi sincèrement, est-ce que vous avez lu le Coran au grand complet? Je n'ai pas trouvé de réponse. Quelqu'un qui ose me dire je l'ai lu au complet. Au contraire, c'est beaucoup plus de stéréotypes, un ensemble de Oui. stéréotypes et de préjugés à l'avance, vu voilà, la réalité de quelques musulmans, malheureusement, qui ont, c'est-à-dire avec l'ignorance. Par exemple, la personne, comme on l'a dit, comme l'a dit le prophète sallam, oui, c'est vrai, on pratiquait le mois de Ramadan, les fêtes religieuses et tout, mais Mais est-ce que, c'était un islam héréditaire. voilà, est-ce que on a, les vérités coraniques ont réussi à toucher nos cœurs? Par tradition, c'est là le danger. C'est pour ça que Dieu nous dit, pas de contraintes en matière de religion, ou bien la question de l'imitation par héritage. Taqlid. Il faut être conscient de ce qu'on adore. Dans Oui. l'islam, il nous incite, fa'alam annahu la ilaha illa. Iqra bismi rabbika. Même le Sahih Dit, Bukhari. oui, dit, sont-ils égaux ceux qui Qui savent et savent et ceux ceux qui ne qui ne savent pas. savent Le pas? Sahih Bukhari, il y a le chapitre, il y a le livre dans son Sahih, le livre authentique qui rapporte les hadiths du prophète. Il y a le livre de la connaissance, bien la science. Babul ilm, le livre de la science. De la science, il y a un chapitre, Babul ilm qabla Qabla al-qawli al-qawli wal wal-amal, amal. le Chapitre de chapitre la de la connaissance connaissance avant avant les les paroles ou paroles bien les actions. ou les actions. Donc l'islam, il est clair, à l'avance, avant de pleurer, soi-disant le khushu'a, avant de prier, avant de jeûner, avant d'accomplir la salat, avant de faire quoi que ce soit, Dieu nous dit, sache d'abord à qui vous allez vouer ce culte. À qui? Est-ce que ce Dieu dont vous faites pour qui vous faites ces Que actes vous d'adoration, adorez, oui. est le véritable Dieu? Est-ce qu'il a les attributs de Dieu? Est-ce que c'est réellement c'est un Dieu qui est digne de ce nom? Parce que le Coran, il nous incite à avoir tout d'abord à prendre conscience de ce qu'on adore. Oui. Et c'est par contre. Je dirais, dans d'autres religions, c'est vraiment inexistant presque dans les autres Ça nous confessions. rappelle justement la réponse du prêtre à son fils. Oui, Il faut ça. mettre ton raisonnement de côté. Voilà, c'est un D'accord. mystère. On se cache derrière le mot mystère, derrière les mots. Donc, D'ailleurs, si vous oui, bien permettez, sûr. maîtres de l'Église, un des grands pères de l'Église, Saint-Augustin, Oui. dit, j'y crois parce que c'est Oui, absurde. parce que c'est Voilà, il parce l'a que c'est dit, oui. absurde, Il a oui. remis en cause, Absolument, même ça en fait peur. trouvant des contradictions dans la Bible, il disait que soit que la Bible en complet Oui, ne m'est elle pas parvenue, va ou revenir. bien on a touché à cette parole. Il l'a dit, oui. Il a Ça. remis en cause, il a remis en En cause, question il y a un problème l'authenticité dans de. ces écritures-là, il y a un Oui, tout à problème. fait. Saint-Augustin lui-même. Et oui, de nos Tout à jours. fait. Moi, d'ailleurs, c'est quand même on vient d'avoir un petit livre qui s'appelle Sanglante Bible, Sanglante Bible que que nous nous avons sommes ramené en de train France. Il y d'étudier a beaucoup de choses actuellement. à lire, c'est des versets de la Bible, c'est des récits de la Bible. À lire ce livre, on se demande, mon Dieu, Je le lui ai remis. Absolument. Mais Merci beaucoup. justement, en parlant de Saint-Augustin, parce que là, je ne sais plus à qui poser des questions, parce que j'ai envie, On peut intervenir à je chaque voudrais moment, pas de écouter le problème. témoignage de Bouzid et je voudrais aussi, parce que bon, avant de poser justement la question, le taqlid, chez certains de nos savants, croire par imitation ne fait pas de vous un musulman. Absolument, il n'est pas Pour valable, non. certains, ou à athée, c'est-à-dire que vous êtes dans le tort et vous avez intérêt à vous récupérer parce que vous risquez vraiment
de vous mettre en infraction vis-à-vis de Dieu. Et pour preuve, ce hadith, hadith ul malakain, les deux anges qui viennent dans la tombe et qui vous posent من ربك ما دينك وما تقولون في الرجل الذي منكر ونكير. Et là, la troisième question dans certaines versions, que dites-vous de cet homme qui vous a été envoyé? سمعنا أناسا, nous avons entendu des gens dire qu'il était prophète. Je répète. قالوا فقلنا. Donc, et là, il va recevoir son coup de bâton. Il va être châtié, celui qui répondrait de cette manière. Parce que normalement, il est censé dire avec conviction, j'atteste qu'il est le messager de Dieu, qu'il a parachevé sa mission, etc. Avec certitude, bien sûr. Donc, dans notre religion, surtout en termes de dogme, croire comme ça, parce que grand-mère a cru, mon père a cru, ça ne fait pas l'affaire, normalement. Bien sûr. Maintenant, avant que vous ne continuiez, nous avons évoqué Saint Augustin. Moi, je suis, par moments, je suis ahuri du manque de connaissance de certains prêtres de leur propre religion. Oui. Il m'arrive, dans des discussions, de dire « Mais vous avez dans telle Bible que vous considérez comme apocryphe, tel passage. » Et vous avez le prêtre qui vous fait « Je ne connais pas. » Ouais. C'est malheureux. Ouais. Bah, moi, je suis musulman. C'est un problème. Les propos que vous venez de rapporter de saint Augustin, les connaissiez-vous quand vous étiez chrétien ou bien vous ne les avez appris qu'une fois que vous vous êtes remis? Non, après. Après. Après, je ne savais pas. D'accord. Donc, c'est un réel problème. Ah, quoi. Mais je voulais attirer votre attention sur ce... Si vous avez terminé, bien sûr. Oui, bien sûr. Ah. Bah, allez-y. Attirer votre attention sur ce point très, très, très important. Parce que ce qui se passe, en quelque sorte, chez beaucoup, je pense que mon expérience reflète beaucoup de vérité qu'on va retrouver. Et même des chrétiens qui peuvent se reconnaître tout de même, parce que c'est un cheminement. D'ailleurs, c'est une réponse pour ceux qui disent que c'est un livre préfabriqué comme ça. Oui, j'ai lu ça. C'est une expérience personnelle, vécue, et un chrétien peut se reconnaître à travers mon témoignage. Il y a d'ailleurs beaucoup de chrétiens qui vont vous reconnaître. Ils me connaissent, il n'y a pas de problème. Hein, je leur dis salut au passage. Alors, c'est-à-dire que c'est important d'être conscient de beaucoup de vérités. L'une d'elles, par exemple, comme je vous ai dit, je crois que ce qui se passe, c'est de l'endoctrinement. C'est du lavage de cerveau. J'ai vécu 3 ans. Je suis sorti avec de bonnes choses dans cette expérience. Donc, on se base essentiellement sur l'ignorance. Par exemple, vous prenez un bon musulman. Le chrétien ne va pas oser prêcher le christianisme à un bon musulman. Il va lui parler plutôt de la tolérance, plutôt de, voilà, on se respecte, ceci, cela. Même ils évitent le débat avec un musulman conscient. Mais par contre, un musulman soi-disant ignorant, c'est une bonne proie. Ils aiment ça. Ils aiment ça. C'est-à-dire, quand une personne ignore l'islam, il ignore le christianisme, etc., il fait une bonne proie. C'est ça. Justement, c'est pour cela que j'insistais sur l'ignorance et le vide spirituel. Voilà. Vous savez, un des musulmans qui ont embrassé le christianisme, les plus connus d'ailleurs, je pense que c'est Mohamed Abdel Jalil. Ah, je Mohamed Abdel Jalil qui s'est donné ensuite le nom de... Mohamed, comment dirais-je, Mohamed est un prénom chrétien, voilà. Donc il a laissé, c'était un Marocain, il a laissé des œuvres, il a laissé un livre Marie en Islam. Il est revenu ensuite à l'islam. Non, il n'est pas revenu à l'islam, mais il est devenu prêtre. Ouais. Mais en racontant son cheminement, il est allé à l'âge de 20 ans. C'est toujours l'âge de critique, là. Il est allé à 20 ans en France pour faire des études. Il a été pris en charge par une famille. C'était dans les années, les années 30, pendant qu'il y avait le colonialisme au Maghreb, la misère. Il a été pris en charge par une famille française, puis une famille chrétienne, j'imagine. Puis il y a eu le fameux lavage de cerveau et il s'est retrouvé prêtre. Il est mort en prêtre. Bon, c'est malgré ça, il a toujours gardé un certain
comment dirais-je, une certaine attirance pour l'islam. D'ailleurs, même ses livres, il a laissé 4 ou 5 livres que j'ai lus d'ailleurs. Il a toujours voulu garder un contact avec l'islam et les musulmans. Bon. Ça, justement, peut-être que M. Bouzid va nous l'expliquer par les différentes étapes par lesquelles il est passé Oui, dans son c'est expérience ça justement. avec le Christ. Pourquoi j'ai Mais parlé de l'âge? là aussi, je voudrais revenir sur un verset. Ça dit là. Le mot sabil, ça peut faire office d'hégémonie, ça peut s'expliquer ou se traduire par hégémonie ou autorité. Et d'ailleurs, Ben Smaï, Allah yarhamou, un chrétien est venu lui dire, si votre Coran est vrai, pourquoi ce qui se passe actuellement va à l'encontre de ce qui a été et dicté par le Le Coran. Coran, oui. Ben C'est-à-dire Smaïa, le oui, colonialisme, il lui a voilà. dit, vous avez un verset qui dit, Dieu ne fera jamais en sorte que des mécréants aient la suprématie sur des musulmans. Et là, alors, Ben Smaïa a dit, la yarhamou, bon, que vous soyez des mécréants, ça c'est vrai, il n'y a pas de doute. Que nous soyons musulmans, ça aussi c'est vrai, il n'y a pas de doute. Non, non, que vous soyez des mécréants, il n'y a pas de doute. Que vous ayez la suprématie sur nous, là aussi, il n'y a pas de doute. Mais que nous soyons de bons musulmans, là, il y a un petit doute. Oui, tout à D'accord? fait. Tout Mais nous, justement, on a posé une fois la question à Cheikh Tahraït Al-Jadd, et il nous a dit non, ici, le mot sabil ne veut pas dire hégémonie ou bien Pouvoir. sûr pouvoir, ça veut dire hujja. C'est-à-dire que les mécréants, quels qu'ils soient, n'auront jamais un argument valable face à un musulman, même si son islamité est héréditaire. Et justement, nous avons remarqué chez ces gens-là que dès qu'ils sentent que leur vis-à-vis a un tant soit peu de connaissances, ça y est, on va occulter le débat. Vous êtes, vous les musulmans, des barbares, vous êtes intolérants, on ne discute pas avec vous, on ne discute pas avec le diable. Voilà, c'est ça. Moi, par exemple, c'est ce qu'on me dit. On ne discute pas avec Satan. D'accord? Écoutez, si vous permettez, Et moi, je dis, moi, je le dis toujours, mais Satan aimerait bien justement adorer Dieu. Alors, vous n'avez pas ayez un tant soit peu de compassion pour Satan, attirez-le vers vous. je viens de me rappeler de ce prêtre, il s'appelle Jean Abdeljalil. Il est D'accord. très connu D'accord. et il a gardé son prénom de musulman toujours, D'accord. Jean Mohamed Abdeljalil. D'accord. Voilà. Alors donc, vous êtes maintenant, vous êtes pratiquement acquis au christianisme. Vous allez commencer à lire la Bible. Comment se fait cette première expérience avec la Bible? Merci bien. C'est-à-dire, je voulais attirer votre attention avant de comment j'ai vécu cette transformation, cette transition, cette conversion au christianisme. Il y a sur le plan, je voulais bien expliquer ça parce que c'est très important pour nos jeunes, surtout parce que c'est un danger de chercher Dieu en usant de ses sentiments, en usant de, c'est-à-dire Dieu dans le Coran nous invite à le connaître tout d'abord. Et Avec la puis, raison. bien sûr, à connaître, à poser des questions, à se poser des questions, à se dire pourquoi ceci, pourquoi cela, si libre. Parce que la méthode coranique qui dit « Qul hatu burhanakum in kuntum Apportez sadiqin votre preuve ou ». votre argument si vous êtes véridique. Voilà, si vous apportez la vérité. Vous pouvez prétendre ce que vous voulez. Jésus est Dieu, Jésus est ceci. Mais quelle est la preuve? Est-ce que Jésus a dit cela? Voilà le problème. Donc, ignorance, ça fait une victime facile. Après, il y a uniquement le prêche chrétien. En vérité, j'ai eu beaucoup, on m'a souvent posé cette question par beaucoup de journalistes qui m'ont dit, comment le christianisme, il n'y a pas de logique, c'est illogique, c'est irrationnel, mais vous l'avez accepté. Comment ça? J'ai dit justement, parce que c'est une doctrine qui n'est pas basée sur la raison, sur le rationnel, mais beaucoup plus sur des émotions, les sentiments. Jésus Donc t'aime, j'imagine Dieu que t'aime, oui. Dieu est mort pour tes péchés, Donc etc. normalement, quand on Il n'y a adhère à rien de ce type, rationnel dedans. une fois que l'on est pris justement par les sentiments et que l'on a adhéré à cette foi, on va ressentir cette plénitude, la Voilà. ferveur, le... Mais je l'ai dit, je vous assure que durant ces 3 ans, j'ai appris beaucoup de choses. C'est que n'importe quelle secte, c'est pas par respect maintenant Quand vous dites durant ces 3 ans, vous Oui. parlez de 95, 96, 90, 97. voilà. D'accord, pour 98, que nos c'est. téléspectateurs soient Voilà. bien au C'est-à-dire, courant.
C'est la caractéristique d'une secte. Quand tu entres, tu embrasses une secte, voilà un petit peu les effets sur la personne. Normalement, selon mon expérience personnelle, toute personne victime de normale, une personne normale peut être victime d'une secte. Il lui faut à peu près 3 ans pour prendre conscience de son erreur. C'est la première année, je l'appelle l'année du zèle. Même les chrétiens l'appellent le premier amour. Le premier Premier amour. amour, Le oui. premier amour, c'est-à-dire la personne, elle est zélée, elle est emportée, la tranquillité de l'âme, la paix intérieure, tout voilà, un petit peu, il se voit On est aux sur un anges. nuage, oui. Voilà, on se voit sur un nuage, comme on dit. Après cela, parce que je l'ai vu dans Science et Vie, je vous dis que c'est un. Pourquoi? Parce que une fois on a déclenché les passions, les sentiments, la raison. Ça y est, elle est anesthésiée. Et la personne reste comme ça, elle est prête à accepter tout ce qu'on lui dit. Voilà, Surtout c'est une quand on, forme d'endoctrinement. surtout quand on se retrouve dans un groupe, Voilà, un il y a le groupe, voilà. phénomène d'imitation, Oui. ce que Ibn Khaldoun appelle l'imitation. D'ailleurs, il est rejoint dans cette théorie par tous les L'émulation, théoriciens, l'émulation par aussi. tous les théoriciens du fait social, par exemple, hein, comme Gustave Le Bon, comme pas mal de grands penseurs D'ailleurs, parlent. Gustave Le Bon a un livre qui s'appelle, je pense, La psychologie des Les foules, foules, voilà, où il parle exactement. C'est justement ça, de ça. On exactement. se retrouve dans un groupe, ça y est, on est inhibé. Voilà, c'est ça. On fait ce que fait le groupe, Vous on savez réfléchit. à tel point que, par exemple, mes frères chrétiens, c'est-à-dire, sont pour moi plus grands, plus importants, plus précieux que ma famille. C'est-à-dire, surtout, c'est l'effet du sectarisme. Par exemple, pour l'islam, en tant que musulman, je vis en équilibre avec moi-même, avec ma famille, avec la société, avec mon entourage, il n'y a pas de problème. Mais l'effet d'une secte sur la personne, l'impact, Pardon, on est j'ai renfermé. posé une Oui. question. C'était des protestants, ce n'était pas des catholiques. Oui, c'est pas des catholiques. Ah, Non, d'accord, c'était pas des ouais. catholiques, Donc c'était. les protestants ont justement cette tendance Voilà. un peu au sectarisme. Ils ont Voilà, un c'est peu ça. le. Donc Dans le vous catholicisme, étiez. on n'a jamais eu de problème Ah, avec eux en l'absolu, tout à Algérie. fait, tout à Ils sont fait. tous, ils étaient toujours à l'aise en Tout à fait, Algérie. tout à fait. Mais là, donc vous étiez dans une église. Et église ici, ça veut dire petit groupe. Voilà, C'est des ça églises veut dire les improvisées. murs, mais les Oui. personnes, les Les individus, c'est personnes, ça l'église, ecclésia, un groupe. au sens Un spirituel du groupe, terme. oui, Oui. un groupe d'individus. Voilà. Donc vous êtes là, vous vivez l'ambiance, vous êtes coupé du monde extérieur, même vous allez manifester un certain absentéisme social, absentéisme Un rejet aussi de familial. l'eau des autres, oui. Même parfois les études, j'étais à la période d'examen et tout, j'étais absent, carrément, j'étais absent de la réalité. D'ailleurs, il y avait même un chrétien qui a averti les fidèles chrétiens pratiquants à faire attention de la maladie qu'on appelle la schizophrénie. La Oui. schizophrénie arrivait au tel point, avec la fervence, avec la persévérance dans la La foi ferveur, chrétienne, oui. on peut devenir schizophrène, c'est-à-dire être coupé carrément de la réalité. Couper, vivre uniquement dans un monde Virtuel. de virtuel, de spiritualité, ni porte, ni fenêtre, ni quoi que ce soit. Tu seras perdu, Donc carrément. ça, c'est la première. Vous avez parlé de 3 ans. Donc la Oui. première année, c'est la ferveur, on est À le emporté. zèle, voilà. Ensuite. À la deuxième année, c'est. On devient un petit peu froid, Oui. on refroidit, on revient Oui. à la réalité. Voilà, on revient à Il la y a un réalité. retour à la À la réalité. retour à la réalité, et puis ça commence le doute. Ça, c'est la Le troisième doute. étape. La troisième étape, bon, s'il a de la chance, son cœur a été touché par Dieu, pour en quelque sorte. Si Dieu lui a touché son cœur pour poser des questions, pour ceci, c'est-à-dire, si Dieu lui Si veut du bien, Dieu lui veut du bien, oui. il va commencer. Sinon, si la personne se limite, soi-disant, uniquement à la À une guitare, littérature. Et à la flûte toute la journée, tout le moment, qu'est-ce que ça veut dire? Chanter tout moment, chanter, chanter Jésus, chanter ceci, cela, et rester coincé Dans dans une ce bulle, quoi. cercle-là, il y a du mal à ce que la personne puisse se sortir un petit peu de cette ambiance, soi-disant Retrouver spirituelle, et poser des questions sérieuses. Des questions sérieuses. Moi, avant, bon, j'étais zélé au début. Ça a été OK, j'acceptais tout, je m'enseignais, je développais en connaissance dans le christianisme. Et puis, comme je l'ai dit avant, je lis, je suis une personne qui aime la lecture, je lis. Et je lis le Nouveau Testament, je rencontre des versets, des passages qui sont en contradiction avec ce qu'on m'enseigne.
Voilà. D'accord. Par exemple, Jésus est Dieu, la Trinité, c'est simple, tout va bien. Le Père, le Fils et le Saint-Esprit sont égaux, voilà, ils ne font qu'une seule personne. Il faut l'admettre, c'est ça, c'est logique. Vous voulez des exemples? Ils vont vous donner des illustrations, des exemples. Le soleil, par exemple, il est en cercle, il y a des choses qui brûlent à l'intérieur, il y a les rayons, ça fait trois choses, mais ça fait un soleil. C'est simple à comprendre et c'est beau. Mais quand on rencontre des versets, des passages, La source elle-même ne qui parle pas de prêche, ça. oui, la source elle-même. Jésus prêche l'adoration de l'unique Dieu. Jean 17, taloua, la prière sacerdotale, où il dit, où il priait Dieu et disait, Or la vie éternelle, c'est qu'ils te connaissent, toi, le seul vrai Dieu. Dieu, un seul. La ilaha illallah, oui, Jésus disait cela. Et Jean 17, Jean 14, 1, où Jésus disait, Vous croyez en Dieu, croyez aussi en moi. Alors un bon chrétien qui cherche, qui sonde la lecture. Il nous reste à peine 1 minute, Ah monsieur. oui. Alors, je commençais à poser des questions sérieuses sur ma D'accord. foi, sur Donc, les enseignements très qu'on me bien. donnait. Oui, Donc, ça. là, amis téléspectateurs, nous venons de vous faire part justement du témoignage de notre ami Bouzid Elid, de sa conversion au christianisme, la manière dont s'est faite cette conversion justement. Il nous reste à parler maintenant des contradictions que va connaître Bouzid Elid, et c'est ce que nous verrons, inshallah, la semaine prochaine. D'ici là, nous vous disons, nastaoudiukumullah alladhi la tadi'u wada'i'uhu, salamu alaykoum wa rahmatullahi wa barakatuh. Merci, messieurs. Thank you.